Bienvenue aux ateliers Habitat Service des Cafés. Nous vous avons exposé les services propres aux vélos et vélos électriques de WeMove. Cette semaine, nous allons vous présenter leur auto-école associative et le permis B. Donc WeMove est une association qui aide les personnes pour tout ce qui est problématique de mobilité, donc à savoir si c'est en problématique de transport, de permis, de financement pour un véhicule, que ce soit location, achat ou réparation. Donc on est situé sur tout le département de la Haute-Savoie, donc notre plateforme est Annecy, mais nous nous déplaçons sur tout le territoire auprès des prescripteurs. Pour l'auto-école associative, ce n'est pas comme une auto-école classique, hein, vous ne pouvez pas venir directement. Il nous faut une prescription en fait, d'un partenaire social du territoire. Donc c'est tout ce qui est référent social, hein, ça peut être Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, les CCAS, les centres sociaux, votre assistante sociale. Voilà, en fait, on a besoin d'une prescription pour pouvoir justement vous inscrire dans le dispositif. Donc c'est vraiment pour notre public insertion uniquement. On a créé une auto-école associative qui est vraiment adaptée à notre public, du coup public d'insertion, qui a des difficultés. Ça peut être aussi bien d'un point de vue financier, donc les prix sont à tarif social, mais également des personnes qui ont des difficultés pour l'apprentissage. Donc ça peut être pour différentes raisons, hein, des personnes par exemple qui ont des problèmes linguistiques et qui ont besoin du coup d'un accompagnement supervisé. Ça peut être également pour des personnes qui sont en besoin justement d'un accompagnement supplémentaire à une auto-école classique. Donc on a différents forfaits, ça peut être également en boîte manuelle comme en boîte automatique. Donc ça, pour le savoir, on réalise une heure d'évaluation automatiquement au début de l'accompagnement pour voir vraiment le forfait le plus adapté à la personne. Donc l'apprentissage du code se fait directement dans nos bureaux, mais également en visio du fait des conditions sanitaires. Pour les heures de conduite, ça se fait du coup avec des moniteurs d'auto-école agréés. Hein, c'est vraiment pour tout le département de Haute-Savoie, mais il faut savoir qu'on est situé quand même sur Annecy. Donc ça nécessite justement de se déplacer à Annecy pour pouvoir effectuer vos heures de conduite, mais également vos heures de code. Bah moi, je m'occupe du service de location. Les personnes viennent vers moi déjà via le référent social ou emploi. Donc en fait, leur référent social emploi, donc un conseiller Pôle emploi ou une assistante sociale, fait une prescription qui aboutit chez nos conseillers mobilité. Le conseiller mobilité contacte la personne pour vérifier son éligibilité en fait à l'allocation, parce que avant de pouvoir accéder à l'allocation, toutes les autres options sont d'abord envisagées, donc voir s'il peut y aller en bus, en vélo. Et donc la location, c'est uniquement dans le cadre de l'accès au travail ou à la formation. La personne est suivie régulièrement par moi et également par les conseillers mobilité. Quand on prend une personne sous notre coupe, on la lâche pas comme ça, on lui loue pas juste une voiture, on l'accompagne, on l'aide à trouver une autre solution pour la sortie, parce que la location est limitée normalement à 3 mois. Donc il faut les aider à trouver une solution plus pérenne pour la suite, et du coup le conseiller mobilité avec moi, on essaie de trouver d'autres solutions pour la personne. Je m'appelle Laetitia, j'habite à Faverges, et c'est vrai que j'étais bloquée sans voiture, sans permis pour trouver du travail, c'était assez compliqué. Et puis Faverges, il n'y a pas trop d'emploi, on est vite restreint. Donc c'est vrai que là, le fait d'avoir le permis, ça va être une libération, quoi. Voilà. Même dans mon quotidien, quoi, pour faire les courses, tout, quoi. Se rendre rendez-vous médicaux, tout ça. Voilà. Ce qui est bien avec WeMove, c'est que le permis, il est à peu près à moitié prix que dans une auto-école normale. Moi, le code plus les heures de conduite, 18 heures de conduite à peu près, j'ai payé 790 €. Et en fait, on peut payer en plusieurs fois quand on peut, tant que la formation n'est pas terminée. Je m'appelle Maëva, j'ai 24 ans.
J'habite à Seineau et j'ai rencontré Mobile Emploi par la mairie de Cran-Gévrier parce que j'étais en contrat de réinsertion avec eux dans le travail. À la suite de ce contrat, donc, ils m'ont parlé de Mobile Emploi et donc ils m'ont expliqué un peu le système de fonctionnement de cette auto-école associative. On a toujours cette idée qu'on se fait des formateurs d'auto-école où on se dit ils vont être méchants ou ils vont nous dire les choses assez sec. Enfin, j'ai entendu beaucoup d'échos sur des auto-écoles, tout ça, mais c'est vrai que je suis vraiment bien tombée ici, quoi.